Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous quittons Rio, et notamment notre joli appartement, pour nous rendre aux chutes d'Iguazu. Chargement des 1500 valises. Ça fait vraiment séjour scolaire quand même. Aéroport de Rio, le retour. C'est reparti. Enregistrement des bagages. Ici, quand vous avez des enfants, vous passez en priorité. Donc on gruge toute la queue. Bon, ok, Patrick, tu n'en as pas en fait. Non, on va aller prendre l'avion. On va aller prendre l'avion. Lana, elle a son coussin d'avion, Buddy. Un seul avion. Oui, un seul avion. Il y aura 2 heures d'avion. 2h10, je crois. Non, c'est pas beaucoup. Et voilà, Securidad. C'est mi Buddy. Bon, bah, petit déj time du coup à l'aéroport. Les lingots, Giovanna? Les lingots? Lingots. Gold bar. Et sinon, Lolo, il avait son melon dans le sac à dos. On a passé de la sécurité et au Brésil, ils s'en foutent. Le Brésil, c'est tranquille. On peut passer avec des melons dans le sac. Tu leur demandes. On doit enlever la montre? Non. On doit enlever les chaussures? Non. Ils ont quand même retiré les couteaux, les ciseaux. Ah oui, oui, j'ai vu. Non, mais t'as, le mec, il était avec son couteau de boucher. Il faut sortir le corps de ton sac. Par contre, tu peux garder le melon dans ta poche. Ouais. Mais les liquides, par contre, c'est dingue qu'ils soient. Qui... Bon, j'aime pas les fruits. Hein. Nous sommes arrivés aux chutes d'Iguazu. Ta 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 ta. Il fait méga chaud, on va changer hein, parce que Lana elle crève de chaud. Super chaud. C'est ça qu'on va aller voir. Il y a aussi des singes. Et oui, des toucans. Et tigres, léopards. Papillons. Alors qu'en fait. Ouais. Là, tu peux descendre. Ah. Là derrière. Il y a les messieurs qui vendent les noix de coco. Ouais. Là-bas. Ah mais les coquettes. Ouais. Donc avant d'aller faire les chutes, on va aller voir le parc des Aves pour aller voir les oiseaux du Brésil. Maman. Mmh. Puis il y a une moustique qui me sent la jambe. Ah. T'es belle. J'ai changé parce qu'elle mourait de chaud. Moi, je meurs de chaud. J'ai pas dû m'habiller comme ça, mais bon, pour l'avion, il faut se couvrir parce que dans l'avion, il fait moins 12. Et là, il fait demi-degrés. Ouais, il y a plein de cigarettes. Cracra de faire ça. Les gens, ils sont... Sur cracra. Ça va, Belouch? Ça, c'est le plan. Donc, il y a tous les oiseaux, il y a des petits singes aussi. Il y a des alligators, des serpents. Il y a pas mal de bestioles, hein. Donc voilà, on va aller visiter ça. C'est parti!
Oh, il y a des cartes. Oh. Allez, venez les filles, on entre. T'as vu, on n'en a jamais vu de cette couleur, Lana. Oh là là. Oh là là. Trop beau. Regarde comment il dort. Viens voir Bella. Bella, viens voir. Bella, viens voir. Comment ils font les singes? Ah, ils sont tout petits. Venez voir, il est là. Regardez. Oh, qu'est-ce que... Oh, elle est trop bizarre sa tête. Ah ouais, pas beau, toi, mon ami. Ça, on a bien dans Rio avec toi. C'est pour ça qu'il n'a pas encore le bec de la bonne couleur. Oh non! Trop beau! Oh les yeux! Regardez, il y en a plein là-bas, sur l'arbre. Regarde ça. Ah bah oui. C'est à moi de faire ça, ça. C'est 4 mètres. Regarde là. Ouais, il y en a partout. Regarde ça, il est cool. Moi, je vois. Regarde tous les serpents sur l'arbre. Nana, elle a dit que c'était Maui. Oh, il a des griffes et des pattes. Ah, il te chope, lui. Oh. Elle dort. Ah, elle vient de bouger. Pourquoi il fait ça? Il se bat, il prend une photo. Il prend une photo? Ouais, comme tu dis. Ça comme la statue. Comme la statue. Oui. Comme le Christ. C'est marqué King. C'est le king. Regardez. Ce parc est vraiment absolument magnifique. Il est trop bien fait. On est au plus proche des oiseaux, on est des fois dans des volières, c'est magnifique.
Là, on va être dans la volière des haras. On les entend d'ailleurs. Ça va être trop bien. Ararajuba. Ah. Hein? Ah. Palmito, mito, mito, palmito, palmito. Il y a écrit palmito, mito, mito. Là, il y a écrit palmito. Là, on va être avec les haras. Waouh! Waouh! Wow. Regarde là, il mange. T'as vu Lana, tous les perroquets partout? Énorme. Bon, les perroquets sont des fruits, les armes sont des perroquets. Ils atteignent un dent. Alors là, c'est les papillons. Il y en a partout. Je sais pas si elle met la tête dans le sol aussi. Ah, elle veut que tu lui caresses la tête. Coco. Ça. Fais attention. Il ne pique pas, il n'a pas peur. Regarde-moi la main. Là, avec le monsieur. Il y a un petit resto, petite pause déj. Il y
y a tout le monde qui a pris un hamburger. C'est que cheese. Ah, il y a un cheese sur le sang. Et dans la boutique, il y a les magnets comme je veux. J'ai plus qu'à choisir. Trop fort. Trop fort. Je vais prendre celui-là. Il est trop beau. L'ananas que t'as choisi? Oui, trop beau. Il fait du bruit. Il chante. Hop. Alors voilà, nous arrivons au parc national d'Iguazu. Iguazu, alors je pense qu'on dit Iguazu, Iguazu, je sais pas. Apparemment, il faut qu'on prenne une navette pour aller près des chutes, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va aller voir les plus belles chutes au monde. Voilà.